Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, eh bien, on va jouer au truc de mecha que j'avais vu sur le store là. Et ça s'appelle Assault Gunner. Ça a l'air d'être un vieux jeu de téléphone. Alors c'est pas un jeu de téléphone, non. Je suis allé voir, c'est un jeu PS Vita adapté sur Switch. Autant dire un truc bien dégueu. Il y a des gros robots, c'est tout ce qu'on aime. Et donc on va jouer à ça tout de suite. Et je viens d'allumer la PS4 avec mes pieds, c'est génial. Je suis un génie. et ben on va commencer tout de suite. Non, on va aller voir. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu où il faut appuyer sur B? C'est stupide. Hangar. D'accord, ça commence bien. Oula. Non! Putain. Ok, je sens que ça va être folklorique. On peut tout changer. On peut tout changer. Body part. On a un MKRV body 2. Ah mais j'ai rien d'autre. Bon. On va commencer. On va commencer. Attends, on peut changer. Ah, j'appuie sur B. Ah mais j'en suis à regarder ma manette quoi pour comprendre sur quel bouton faut que j'appuie. Dat Unit. Putain, c'est un jeu allemand. Attaqueur. Ah d'accord, ouais, on peut. Bon bref. Je sais pas ce que ça va. Allez. Un petit tour dans les options. Mais c'est catastrophique. Non. Battle Make Voice. Ouais. Non, putain. Il y a quoi comme... Ok. On va rester en anglais. Hein. Normal. Friendly Fire Off. Ah, ouais. C'est parti. En 2080 sur Mars. Oh, on a terraformé Mars. Trop trop bien. Hein, comme tous les trucs de SF dans l'espace. Ok, on a utilisé un système collé, appelé ANTS pour terraformer Mars, mais j'ai pas eu le temps de lire le début. Bon, on a commencé à migrer vers Mars. Putain, en fait, c'est Elon Musk qui a fait n'importe quoi. D'accord, on a mis des armées, enfin, il y a un satellite autour de Mars qui est rempli de soldats. Oh là là, pff, et plus d'anglais depuis 6 mois, et c'est bon, j'ai tout oublié. Hein. J'ai plus faire de CV et de lettres de motivation. D'accord. Des rumeurs d'une guerre sur Terre arrivent. Complète. D'accord, je dois faire tous les. Donc. Attends, c'est quoi la story X? Ah oui, d'accord. Et ben, bah, c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Attends, c'est un peu en train de tomber. Et... All green. Voilà. On est bien là. On est parfait. Ah, je peux donner des ordres à mes alliés. Ah, c'est cool. Bon, ça c'est normal. Hold L button ZL. D'accord, il y a un dash. J'attaque avec l'autre gâchette. Je change d'arme. Mais ça a l'air bien. Ah d'accord, on a de la stamina, ah c'est chiant ça. D'accord, mais ça le petit dash là il... Ah, quand on passe, quand on change d'arme, ça change la l'angle de vue. De l'hypercarburant, ouais non. C'est con de se moquer parce que c'était quand même vachement bien Star Wars 8. Ouh, ils ont l'air bien mongoliens. Attends, ça veut dire quoi ça? Alors, stand-by, ok. Ils bougent plus, ils se mettent en défense, ils se mettent en attaque.
Bon allez, on y va. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Wow, oh là là, viser c'est galère. C'est un peu galère. Ouais, la visée est un peu compliquée. Oh là, ça vibre. Ah oui, mon bouclier, c'est ce qui est en bleu en bas. Putain, d'accord. J'ai des gros missiles. La visée, ouais, c'est... Bah, y'a pas de visée automatique, en fait. Enfin, y'a pas d'aide à la visée, donc c'est un peu... Oh là, mes missiles partent dans tous les sens. On peut pas sauter, j'ai l'impression. C'est dommage. Non, mais c'est bon. On peut pas passer ça. Oh là. Ah si, ah c'est bon, il y a une carte. Je viens de comprendre qu'il y avait une carte en bas à gauche. Ça marche. Ouais. Par contre, le shield d'énergie chargé, là, il va commencer à être chiant. Ah, voilà. Ah, c'est tout ce qu'on aime. Des dialogues en japonais... Contact avant le contact. Oui, mission accomplie. On est bon. On est les soldats efficaces. Ah, j'ai une nouvelle arme. Il faut que j'appuie sur B. C'est pas du tout. Ah putain, mais je viens de capter. Ces abrutis. Non mais les mecs, alors là, c'est la flemme niveau niveau 10 000. C'est parce que sur PlayStation, c'est croix qui est à la place du B. Et comme en Occident on valide avec croix, bah là ils ont gardé le même mapping sur les touches. Et donc on valide avec B. Sauf que non, en fait on valide avec A normalement sur Nintendo. De la même manière qu'on valide avec rond. Au Japon sur PlayStation. Elle va faire la mission 2. C'est parti. Complete all training. Combien de missions? Je sais pas. Ah oui, en plus j'ai acheté le DLC. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Même s'il est moche, j'ai envie d'y croire. Attaqueur, c'est quoi ça? Oula, j'ai le soleil dans les yeux. B. Boost attaque à initial ammo. D'accord. Ah. Non, on va rester comme ça. Pour le moment, on va rester comme ça. Et c'est parti. Ashin. Un astéroïde de glace d'un diamètre de 1000 km approche de Mars. D'accord, ça vient de la ceinture d'astéroïdes de 500 millions de kilomètres. Bon, on est à la fin des opérations, mais
Bref, putain, mais ça va vite. Oui, ça, est-ce qu'on est une crédit? Bon, bref, on continue de s'entraîner en attendant que l'astéroïde arrive sans aucun problème. Ah, d'accord, je peux looter un GPS, un blast-proof coating. C'est bien ça, un manteau pare-balles. C'est cool. Pour l'hiver, pour aller manifester avec les Black Box, c'est parfait. Chic et choc. Oh, mais tu sais qui vient de s'abonner là. Salut. Et bienvenue dans l'équipe. Oh là, oh ça crie. Oh non, mais c'est des bourrins les potes là. Ils partent dans tous les sens. J'ai même pas le temps de comprendre, ils sont déjà en train de tirer sur tout le monde. Ouais, non, c'est ça. Moi je lance des missiles là. Il faut que j'annule tous les ennemis. Où sont les ennemis? Ah c'est bon, j'ai une petite map. Ouais. Par contre la caméra elle est lente. Oh, les ennemis qui pop n'importe quoi. Je sais pas quand est-ce que part mon missile. Moi c'est un peu le merdier là. C'est la guerre. Emergency contact. Mission accomplie. J'ai rien compris. Oh là là, le bordel. J'ai rien compris. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Oh merde. On a perdu le contact avec les colonies sur la surface de Mars. Toutes les troupes sont en stand-by et attendent les ordres. Pendant qu'on est en train de... d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, il y a un ascenseur pour Mars. C'est ça, le... En fait, il y a l'astéroïde qui est la base. Il y a un ascenseur pour aller sur Mars. Si ça, c'est pas science-fictionnesque. Eh bah, pas mal, hein, on a fait ça bien. Ah, mais j'ai looté qu'une partie. D'accord, pilote level up, j'ai gagné l'expérience, stamina 0. Ah putain, 1% d'armes. Oh, j'ai gagné un inferno. Allez, on continue. Mission failure condition, all player. D'accord. Ah d'accord, fallait pas détruire les serveurs, j'ai tiré dessus tout à l'heure. On va réessayer dans un truc plus dur pour voir ce que ça donne. On va voir si c'est vraiment compliqué. Putain, par contre, le jeu il charge. Sans souci! Ah, il faut que je relâche pour que les missiles partent. Non. Je tire des missiles sur les équipes pour les temps. Ah, j'ai plus de stamina. Yotaro!
ces missiles ils sont pétés. Bah comme dans Zone of the Enders, c'est un peu plus de place. Excellent jeu de méta, pareil. Non, pas sans défense. Okay. Ah bah voilà, on peut tirer 15 000 missiles en même temps, c'est parfait. Parfait, mission complete. Bon rapport. Enfin un truc qui se passe bien. Parce que putain je vous dis pas. Ce matin, je me trompe de sonnerie de réveil et c'est le buzzer de mon réveil qui me réveille. Réveille, tout à fait. Donc déjà ça commence mal. Parce que qui met le buzzer pour se réveiller, hein, qu'on me le dise, c'est horrible. T'as l'impression de mourir quand t'entends ça en te réveillant. Après, j'arrive au travail, j'avais emmené une bouteille. Mais une bouteille en verre, puisque j'ai déjà plus de bouteille d'eau. Je fais quoi? Bah, je fais tomber mon sac et j'explose ma bouteille en verre sur le parking. Génial. En plus de ça, bah, j'avais une tasse dans mon sac. Donc, j'avais des morceaux de verre dans ma tasse. Et genre, des petites paillettes de verre. Donc, qui sait, peut-être que demain, j'aurai une hémorragie interne et... Je suis en train de me vider de mon sang parce que j'aurais mangé du verre, mais bon. Enfin bref. C'est comme ça. Donc, bim, on enchaîne. Mission 3. La Red Planet. Ouais, on fait cette mission. Non, putain. C'est vraiment horrible. On va repasser en normal. Parce qu'on... On va pas être présomptueux. Ouais, ouais, je reste avec mes attaqueurs. Enfin, mon attaqueur. 20 000 km au-dessus de l'ascenseur spatial là, sert de relais pas cher. C'est un moyen de transport pas cher entre Deimos et Mars. Après avoir voyagé pendant plus de 2000 km. Mais qu'est-ce qu'il raconte l'ascenseur. Mariner, Zenith. Bref. On cherche à savoir pourquoi on n'a plus de nouvelles de nos gens sur Mars. Ouh, c'est beau. c'est beau. Tac, tac. Boum, tac, tac. Musique de qualité. Coup du radar, le point. Ouais, on y va. Vibration on, LR, ouais. Ah, on peut pas accélérer la vitesse de rotation. Oui. Oui, d'accord. Bim. Ah, j'ai des points de j'ai fait apparaître une tourelle. Enfin, c'est un radar. Est-ce que c'est les missiles qui font comme mon énergie?
pas s'il y a un mode multi pour ce jeu. Je le trouve. Par contre, dans le même style, le prochain jeu de Japon, c'est celui d'après le commentaire de Paul. Comment il s'appelle ce nouveau jeu de méta là? Ah, il va falloir aller chercher. Méta. Oh, mais ne tire pas dessus. Mais sur quoi je tape là? Non. Oui. Méta. Game. Switch. Ah, il a lu dans mes pensées. Démon X Machina, voilà. Ça, ça a l'air cool. Avec je me mettais bien furieux avec le design de robot réalisé par Shinji Kawamori, le méta designer de Macross. Macross, c'est ça. Avec des méta qui sont comme la bonne chasse. Et où la chanson, enfin chanter permet de tuer les extraterrestres. Et ça c'est bien cool. D'accord, donc en fait le but de la mission c'est de décoller des satellites. En fait c'est qui les méchants? Moi c'est pas grave. Je peux sauter. Là je peux sauter, mais je vois pas quoi l'intérêt. De toute façon il faut que j'y aille. Il y a un jeu de munitions. Après, dès qu'on s'en va, ça stoppe le charbon. C'est un peu galère. Ouais, il faut un truc qui a plus de boost. Hein. Il y a des gens derrière nous. Allez, fais du tout. Bien. On s'en fiche. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il y a quoi entre... Ah oui, il y a une première position et... Allez, oh putain, on a l'impression d'être dans un... J'allais dire un char d'assaut, bah en fait, c'est un rond. Oh là, oh là. Ah. Pourquoi on a plus de... Oh, j'ai bientôt plus de munitions. Par contre, j'ai plein de missiles. C'est assez bien.
Ah non, on va faire un demi-tour. Hop là. Mais vous avez pas vu ça, moi? Oh, le char d'assaut qui... Ah ouais, les mecs ils font des plongeons, ils ont pas peur. Parfait. Oh, je dois annuler les ennemis. Ils sont où? Ah, ils sont là. Oh, ils sont bien. Ils sont bien en rang, c'est bien. Deux par deux. Je vais mettre ça. Non, laisse-moi, c'est la stamina. Oh là là, mais j'ai trop plein de munitions. Bon, ça m'habitue un petit peu à la vie, mais c'est vrai que. Une visée gyroscopique, comme on a dans. Comment ça s'appelle? Dans Splatoon? Ça va être bien. Non, mais arrête de me voler mes lignes. On marche. Hop. Ah non, il faut marcher. Il y a une nouvelle belle vie. Mission accomplie. Ça, c'est beau. Ah, les Ants, d'accord, on avait créé des robots qui se construisent eux-mêmes et qui étaient normalement faits pour terraformer Mars, pour qu'on puisse pouvoir y habiter. Cependant, enfin bref, ouais, les Ants étaient en charge de miner la planète, etc., pour la rendre habitable. Mais cette bande de robots là, se sont rebellés. Et ils ont... commencer à attaquer tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Ça fait très scénario... scénario Elon Musk. Ça ne veut rien dire. Oula, j'ai trop plein de trucs. Il va falloir que j'aille modifier mon robot. Ce qui est drôle, c'est qu'ils appellent le robot les Ants, donc les fourmis. Il y a un manga qui s'appelle Terraform Mars dans lequel les scientifiques ont envoyé des cafards terraformer Mars. Mais là pour le coup c'est des vrais cafards. Et bien sûr les cafards, 100 ans après, on retourne sur Mars et ils font 2 mètres, 180 kg de muscles et ils tuent tout le monde. Parce que c'est marrant. C'était où? C'est quoi ça? Je mange mes cheveux. Non. Skill report. Ouais. Ah d'accord, ça c'est mon... D'accord, mon idée, mon niveau. D'accord. Oh, il y a un pulse vulcain, je veux ça. C'est dommage, un petit mode multi en vrai, je pense que ça aurait pu être pas mal. À 4. Hangar. Oui, non. C'est pas possible, j'y arriverai jamais. Même. Navigator settings, c'est quoi ça? Waouh! On peut changer les pilotes. Attends, mais on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. D'accord. On a Herbert Werner. Un homme de 37 ans, allemand, blond. Comme par hasard, tiens. Cet aspirant pilote DA a été laissé avec un œil cyborg. Ah oui, avec un œil cyborg et une jambe cyborg après un accident à l'entraînement. Ah putain, mec, t'es pas doué, hein.
Et donc voilà, il a payé son traitement, il a payé ses prothèses grâce au bonus offert à ceux qui décident d'aller sur Mars faire la guerre. Ah, mais il est claustrophobe. Et il doit prendre des tranquillisants. D'accord. Putain, il y a tout un lore et tout. Nick the Hunter. Julien Maya. Oh, c'est un Français. C'est un Indien français. Julien Maya. Il y a maintenant Fang Jichia. Jenny Vasquez. Et Ouara. Ah, c'est cool. Mais on voulait voir les robots. Non. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Ça sert à quoi de faire ça? Oui, je l'ai sélectionné, et alors? Ah, c'est mon navigateur! Oh là là, oui, d'accord. Mais ça a l'air vraiment trop bien. Bref, on y reviendra. Donc, en premier, on va faire ça. Unique design. Le premier, tac. Ah d'accord, j'ai pas d'autres parties. La jambe, bipode, j'ai pas d'autres parties. C'est quoi ça? Donc c'est mon arme principale. Fusil d'assaut, ah j'en ai un deuxième, qui est beaucoup plus puissant. Qui a exactement la même tête. C'est pas grave, on va le prendre quand même. Sub-weapon, fist-weapon. Sub-weapon, c'est quoi? Attends, je peux en mettre deux? Mais c'est pété. J'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que j'ai un fusil à pompe? Oui, j'ai des fusils à pompe. Est-ce que j'ai un pistolet laser?